Je peux. Je m'appelle Mata Gabin. Je suis artiste, c'est-à-dire comédienne, chanteuse et auteur. L'art, il était déjà là avant que j'arrive moi-même parce que j'ai été adoptée, élevée par mon oncle et ma tante. Et lui est très 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 féru d'art, des tableaux, d'art africain, etc. Donc quand je suis arrivée dans leur maison, autour de moi, j'ai toujours vu de l'art, j'ai toujours entendu de la musique, ils m'ont toujours fait voir des films, etc. Donc l'art était là, j'ai une famille vraiment artistique, enfin qui aime l'art. Et puis j'habitais dans un quartier qui s'appelle la Cité des Arts, à Cocody, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et donc j'allais de temps en temps regarder les comédiens en train de travailler. Et je suis tombée complètement dingue de Nakissi Savané quand je l'ai vue à la télé ou justement au théâtre. Et j'ai eu envie de faire ce métier-là. En fait, moi, c'est mon parcours. Donc, il y a une certaine normalité. Je trouve qu'il y a une normalité dans mon parcours puisque c'est le mien. Mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça prouve à quel point les questions raciales, etc., etc., sont mais obsolètes. Quelque chose de dingue parce que aujourd'hui, les gens bougent facilement, les gens se rencontrent, les unions sont de plus en plus improbables. D'ailleurs, il ne faut plus qu'elles soient improbables. Voilà. Et donc, moi, je me considère comme une citoyenne du monde, mais vraiment, en fait, non, je choisis pas, je ne peux pas. Je suis un millefeuille, je suis un mélange. J'ai des côtés très africains dans le sens très ivoirienne, puisque j'ai quand même vécu là-bas. J'ai des côtés très corses, parce que j'ai aussi vécu là-bas. Maintenant, je me sens très parisienne, ben, parce que je vis à Paris. J'ai des côtés créoles, antillais. Enfin, on est les êtres humains de plus en plus des mélanges culturels. On est comme un plat avec des saveurs qui viennent de contrées et d'horizons différents. Moi, je pense que dans la musique, dans ma chanson, dans mon groupe de musique, c'est là que ma multiculturalité est la plus forte, dans le sens où quand je rencontre des gens qui me découvrent et qui ne savent pas que je chante, je leur fais un quiz test. Je leur dis à chaque fois, à ton avis, qu'est-ce que je fais? Ils me disent tous les styles musicaux qui se rapportent à ma couleur, mais ils ne trouvent que très rarement ce que je fais de la chanson française. Et donc, c'est là que mon côté corse prend le dessus parce que je trouve que quand je n'ai pas peur, je ne suis pas intimidée. Les Corses, ils ont ce côté comme ça. Ils n'ont peur de personne. Donc j'ai un peu ce côté-là. Et puis j'ai aussi le côté antillais d'aimer aussi danser, amener de la chaleur, etc. Quand je fais mes chansons, quand j'écris mes chansons, je raconte ma vie, j'ai l'impression que je mélange tout ça, je me sers de tout ce qui me construit, tout ce qui me fabrique. J'ai l'impression que c'est dans la musique que je suis la plus complète. J'ai beaucoup de temps libre, alors je l'occupe pas. Non, je suis pas tout le temps sur des tournages, etc. Donc j'ai horreur du vide. J'aime pas être là, à rien faire. J'ai pas de télé depuis quelques. Je sais pas si ça ferait plaisir que je dise que j'ai pas de télé. Mais enfin bon, bref, j'ai pas de télé. Donc j'ai beaucoup de temps devant moi. J'écris, j'apprends à jouer de la guitare, etc. Je fais pas exprès. Je fais pas exprès. Je peins aussi. En fait, j'ai l'impression. Moi, j'ai une maman biologique, parce que j'ai ma mère biologique et mes parents adoptants. Donc, j'ai une maman biologique qui est conteuse. Je ne le savais même pas. On s'est rencontrés tardivement, c'est toute une longue histoire. Mais elle est conteuse. J'ai une sœur qui est peintre. Dans mes familles, que ce soit mes familles biologiques ou mes familles adoptantes, il y a de l'art partout. Et j'ai une sensibilité qui a tout le temps besoin de s'exprimer. Je me suis rendu compte que mon premier poème, je l'ai écrit en 1987. Je devais avoir 15 ans ou quelque chose comme ça. J'ai toujours utilisé l'écriture pour soigner des blessures, que ce soit des blessures familiales, des blessures à l'école, des blessures de la société. Je me souviens que quand on nous a parlé du sida, moi j'étais jeune, quand tout d'un coup en Côte d'Ivoire on nous a dit attention, ah, nouvelle maladie de ouf, le sida est arrivé, faites attention, préservatif et tout. Moi j'arrivais justement à l'âge où on commence à avoir une vie sexuelle.
Et j'ai écrit tout de suite un poème sur le sida, toi, maladie de plaisir, maladie d'horreur, etc. Donc je me suis toujours exprimée comme ça. Et du coup, j'ai essayé des métiers qui n'étaient pas artistiques, mais à chaque fois, je fais n'importe quoi. Ma réponse, c'est fait toujours un peu grincer des dents, mais bon, c'est ça. Moi, j'ai peur de la mort. Moi, je suis obsédée par la mort. Je sais qu'un jour, je vais mourir. C'est obligé, je ne peux pas faire autrement. Tout le monde passe par là. Et du coup, avant, j'aimerais m'amuser. J'aimerais dire des choses. Je veux servir à quelque chose. Et donc, que ce soit au cinéma, à la télé, au théâtre, dans mes concerts, dans mes tableaux, je peux dire des choses, je peux parler. Ça va servir à ma fille, ça va servir à ma famille, ça va servir à mes amis, ça peut servir à des gens qui sont loin de mon cercle. Tout ce que je fais peut servir à quelqu'un. On est là, on est, on n'avait rien demandé, on a une vie simple ou compliquée, mais à un moment donné, pourquoi je suis là? Pourquoi je ressens ça? Est-ce que je suis la seule à le ressentir? Est-ce que si je dis « Ah oui, aujourd'hui, je suis triste, l'écologie, c'est une catastrophe, on n'a rien fait », je suis sûre que je ne suis pas la seule à le penser. Donc je le dis, je le chante, je l'écris, je le joue, je le... Parce qu'on est des messages, on est tous un message pour quelqu'un d'autre, on est tous un messager pour quelqu'un d'autre. Moi, il y a des gens dont la parole est venue me faire des déclics et changer ma vie. Si moi aussi je dois servir à aider quelqu'un, tant mieux. Et l'art, c'est ma première façon de m'exprimer. Je n'en connais pas d'autre, je ne saurais pas faire autre chose. Il y en a deux. La première, c'est Lucrèce Borgia. Pourquoi? Parce que le metteur en scène, Fabrice Merlot, m'a donner le rôle de Lucrèce Borgia. Lucrèce Borgia, c'est une Italienne. C'est une femme qui c'était une empoisonneuse, une maniganceuse. C'était à l'époque des rois, des reines, des châteaux, etc. J'ai trouvé audacieux de la part de ce jeune metteur en scène de me distribuer, moi, actrice noire française d'origine africaine, et de me donner ce rôle. Et vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et familialement parlant, c'est la pièce qui a fait que mes parents, qui avant n'étaient pas d'accord avec mon envie de faire ce métier, ont soudain dit « Ok, tu es à ta place ». Ils sont venus voir la pièce et quand ils ont vu cette pièce, mon oncle, je m'en souviendrai toute ma vie, mon oncle m'a dit « Je ne t'embêterai plus jamais sur ton choix de métier. Tu as choisi ce pour quoi tu es faite ». Il m'a dit « Je t'ai vu sur scène, j'ai vu quelque chose que j'oublierai jamais, qui était fort ». Qui m'a scotché, donc cette pièce-là pour moi est extrêmement importante, ça a été un vrai tournant. Et puis la deuxième que j'aime beaucoup et qui me tient beaucoup à cœur, c'est Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Coltès. Parce que c'est tout ce que j'aime, c'est-à-dire que c'est un texte compliqué, c'est un auteur français qui est déjà un classique, c'est très intellectuel. Ce que Charles Bernard a fait, c'est que d'abord, il a redonné sa couleur au personnage, c'est-à-dire que donc le personnage est un noir dans la pièce, le dealer est un noir, et il a rajouté quelque chose, il a pris une femme. Et pour moi, c'est vraiment une pièce importante dans toutes celles que j'ai jouées, elle a une place particulière. Voilà. En fait, la place qu'on veut, c'est une place qui n'est pas forcément collée et liée à notre couleur. C'est le combat. Moi, j'ai commencé ce métier en 1995. Et quand je suis arrivée à Paris, parce que je suis arrivée à Paris, je ne suis pas née ici. Quand je suis arrivée, on m'a dit « Oh, il n'y a pas d'acteur noir, il n'y a pas d'actrice noire, etc. » Donc, un peu naïvement, je me suis dit bah, « Super, s'il n'y en a pas, bah, bonjour, il va y en avoir. » Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y en avait, qu'il y en a eu, et que la société française, en tout cas le côté artistique, le cinéma, la télé, n'accepte pas, ne se rend pas compte qu'elle est beaucoup plus riche
qu'elle le prétend, qu'elle le dit, qu'elle l'imagine, elle perd un temps fou à parler de diversité, d'intégration, à ne pas le faire. Et pendant ce temps, elle perd des talents. Parce que moi, j'ai déjà entendu des histoires de personnes très talentueuses qui, parce qu'elles venaient du 9-3, de banlieue, de ceci, de cela, étaient empêchées de travailler et ont juste quitté la France. Donc, à un moment donné, on va devenir un pays has-been, ringard, qui n'a pas su upgrader sa façon de penser parce que des gens se disent « Oh ben non, les minorités, on ne sait pas et puis on ne connaît pas et puis on ne va pas aller par là. » Alors que la France est un pays qui s'est nourri d'énormément de cultures, d'énormément de personnes. C'est dans notre métier d'actrice, on lutte au quotidien. Mes camarades qui ont fait le livre avec moi et les autres actrices, pour justement faire accepter le fait qu'on est des Françaises, qu'on est des actrices françaises, et que notre couleur de peau, d'abord, on n'y est pour rien, et d'une, et de deux, nous, pourquoi on serait capable d'intégrer la culture d'un autre endroit, et cet endroit-là ne va pas intégrer notre culture? Est-ce que c'est nous qui avons colonisé l'Afrique? Donc, à un moment donné, vous êtes venu sur un continent, vous avez imposé des choses, on en a pris certaines, on est d'accord avec certaines, il y a certaines qu'on ne veut pas. Et puis nous, les enfants qui sont nés là-bas avec constamment la France comme Eldorado, comme ceci, comme cela, c'est normal qu'on vienne. Et quand on vient, on est français, on est là, on a des idées, des envies, des désirs qui sont les mêmes que n'importe quel français. Il faut vraiment arrêter. Il y a un livre aussi encore qui est sorti récemment qui s'appelle « Décolonisons les arts ». Je suis allée me le procurer et avoir quelques petites dédicaces aussi. Les choses sont très bien dites et très bien expliquées dans ce livre. Et moi, je dirais que maintenant, il faut agir. Déjà, nous, la communauté noire, il faut qu'on agisse. À nous regarder, ils s'habitueront. Il faudrait retrouver qui a fait cette citation, parce que je la connais tout le temps, mais j'oublie l'auteur. Je crois que c'est René Char, mais je ne suis pas sûre, il faudrait vérifier. Mais il faut qu'on les force à s'habituer à nous regarder, parce que tout le temps, il y a des prétextes. Tout le temps, il y a « Ah oui, mais bon, le public français n'est pas prêt. » C'est faux. Le public français vit avec nous. On vit avec le public français. Le public français nous connaît, nous côtoie dans les bus, les métros, les RER, tout ce que tu veux, dans les salles de cinéma, partout. Le public français, il est OP. C'est ceux qui décident qu'ils ne sont pas OP. Et eux pensent qu'on est obligé d'être tout le temps ostracisé. On est tout le temps l'autre. Non, je suis française, je suis la même que toi. Je suis la même qu'une petite blanche qui habite dans le 15e ou je ne sais où. Je suis pareille.